says, have more to give you than you have room to receive. Et question posée tête-moi. Si God always has more to give me than I have the capacity to receive, why are you satisfied so quickly? Si mon Dieu get tout bagay sa ou pou l'bay, et si mon Dieu get tout grâce sa ou pou l'bay, et si ça mon Dieu get pou l'bay là, li plus parce que ça m'gen pou m'recevoir. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut! Nous contents, il dit bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un mot béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui partager avec une famille et là va pour lui-même une source de grâce et de riche bénédiction. Déjà, nous souhaiter une bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et pour les besoins de la cause, je lirai le verset en entier. Il est dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Frères et sœurs bien-aimés, la création est une œuvre de génie. La complexité des espèces, la diversité de la biosphère, la mécanique de la nature, les arbres, les bêtes, les mines, la goutte d'eau et même le soleil de l'espace infini offrent à l'humain un spectacle d'ordre et de beauté. Pour saint Augustin, ce n'est pas tant la beauté de la nature qui l'emporte que l'humain lui-même. Dans ses confessions, il dit, et je cite, « Les hommes s'en vont admirer la hauteur des montagnes, les vagues géantes de la mer, les fleuves glissant en large nappes d'eau, l'ample contour de l'océan, la splendeur des étoiles, et ils passent à côté d'eux-mêmes sans s'émerveiller. » Fin de citation. L'humain est en fait une créature merveilleuse, un être d'une extrême complexité. Les différences de tempérament, les variétés des goûts et des couleurs, l'impact culturel et l'expérience personnelle, entre autres, concourent à faire de chaque individu un être unique. Il existe toutefois dans le cœur de chaque humain un désir commun, le désir d'être heureux. Qui moun qui patarème heureux. La thématique du bonheur est abordée par les penseurs, par des penseurs de tous bords. Le mot bonheur en grec est eudaimonia. Étymologiquement, il se compose des mots e et daimon. E qui signifie bon et daimon qui signifie esprit. Donc, le bonheur signifie littéralement bon esprit ou bien-être. Une meilleure traduction est l'épanouissement humain, ce que les Américains appellent human flourishing or good life. Le bonheur n'est pas une émotion, mais l'art de bien vivre, peu importe les circonstances. Une autre façon d'épeler le bonheur est satisfaction totale. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David tisse deux grandes métaphores pour utiliser sa confiance et sa pleine satisfaction en Dieu. La métaphore du Dieu berger et celle du Dieu hôte. Dans les versets 1 à 4, il parle du Dieu berger. Dans les versets 5 et 6, il utilise la métaphore du Dieu hôte. Hôte, H-O accent circonflexe T-E en anglais, host, le Dieu qui accueille, le Dieu qui reçoit. David est bien placé pour porter un jugement sur la compétence de Dieu en qualité de berger et de hôte, car lui-même est à la fois berger et roi. En qualité de berger, il maîtrisait l'art pastoral et en qualité de roi, il savait recevoir des délégations diplomatiques. Quand il décrit le Dieu berger et le Dieu hôte, il utilise des concepts d'abondance et de démesure. Le langage du texte est celui de l'excès. What God has done for him far surpassed what the best of Israel could give. De la table garnie à l'onction d'huile pour finir par la coupe qui regorge, tout est richesse, abondance et démesure. La Bible fait mention de plusieurs coupes. La Bible parle de la coupe de la colère.
Nous lisons en Isaïe 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. En fait, nous joignons même appellation, ça tournait, ou bien même expression, ça tournait, dans le message du troisième ange, en Apocalypse 14, verset 9 et 10, où il est écrit, et un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. David avait fait l'expérience de la colère de Dieu, particulièrement quand il est allé pécher avec Bathsheba et a éventuellement tué son mari Uri. But this is not the cup he is talking about. La Bible parlait de la coupe de la consolation. Nous lit en Jérémie chapitre 16, verset 7, on ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. Ici, Jérémie parle d'un oracle de jugement contre le peuple de Dieu. In time of death, c'était en pratique qui était gagné en temps de deuil. On avait, en fait, on jeûnait pendant la journée, mais à la tombée du jour, lorsque le soleil s'était couché, moun était gagné habitude, puis on était capable de bailler du pain et certainement un verre de vin qu'on appelait le vin de la consolation pour capable apporter un peu de joie dans le cœur d'une âme profondément attristée. David a connu le deuil et la consolation à l'occasion de la mort de son fils avec Bathsheba, celui qui sera remplacé certainement par Salomon. But this is not the cup he's talking about. La Bible parle également de cup de la propre justice, la coupe de la propre justice, the cup of self-righteousness. Vous tenez comment Jésus reprochait les scribes et les pharisiens en Matthieu chapitre 23, versets 25 et 26. La Bible dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. External looks good, but internal is dirty. Jesus was talking about tradition over the Bible, religion over relationship. Now you do know that, lorsque yon a indice qu'on a fait avec un monde qui loin bon Dieu, c'est lorsque moun a commencé à penser que le bon. David is well aware of his shortcomings. He is not one to boast in the presence of Almighty God. In fact, lorsque David pêche l'alcool de papa bon Dieu, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Le pape essaie innocenter, ni essaie excuser ce qu'il a fait. Il dit, de but en blanc, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David, perhaps, knew something about the cup of self-righteousness. But this is not the cup he's talking about. Moi, lis, par exemple, en psaume 16, versets 12 à 14, où il est fait mention d'une coupe appelée la coupe des délivrances. Aïe, aïe, aïe. M'entendez, psalmiste l'a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et puis tout le dit, mais qui ça m'a fait? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Élever la coupe des délivrances, c'est une métaphore pour parler de la reconnaissance et de l'action de grâce en fonction d'un salut obtenu ou d'un bienfait reçu. Aïe, aïe, aïe. A sincere act of devotion in recognition of the greatness of God's salvation. Qui est-ce qui a dit que le pageant boit à la coupe des délivrances? Qui est-ce qui a dit que mon Dieu pas jamais fait rien pour lui? David is a worshipper. As a matter of fact, lui fait un vœu pour le capable louer l'Éternel tout autant vive. Ou t'en as dit par exemple, dans Psaume 34, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai et sa louange sera toujours dans ma bouche. David knew something about the cup of deliverance, but this is not the cup he's talking about.
So what cup is David talking about? La métaphore de la coupe est parlante. Elle transmet un message puissant. Le mot couple est utilisé pour désigner pas seulement l'ustensile que nous utilisons pour boire. Bon, me dis ça encore. Mot coupe là, nous pas seulement utiliser pour nous parler ou désigner ustensile que nous boit la caenou lorsque gon fête. Il a parlé de ça qui fait en forme de vase, qui gon petit pied là-dedans. C'est pas ça, non sens ça. Mot coupe là, parfois est souvent utilisé pour parler de ce qui est dedans, du contenu. Mm-hmm. Par exemple, ou tande moun nan dit boire une coupe de champagne ou une coupe de vin. Ce n'est pas l'ustensile que moun nan prend li la gen an dan, mais c'est plutôt le contenu. Are you still with me? Donc, lorsque David parle d'une coupe qui déborde, la coupe dont à laquelle, plutôt la coupe à laquelle il fait référence, c'est une coupe de joie, une coupe de provision et une coupe de bénédiction divine. Remarquez bien, il ne dit pas, aïe aïe aïe, s'il vous plaît, on a besoin de remarquer que la coupe n'est pas vide, parce que ce serait la symbolique du manque. La coupe n'est pas à moitié pleine, ce serait la symbolique de l'insuffisance. La coupe n'est même pas pleine, ce serait la coupe. On parlerait de la coupe de la satisfaction, mais la coupe déborde, my God. In other words, Dieu ne fait pas seulement que satisfaire. God over satisfies. God over gives. God over does it. En réalité, c'est le langage de la abondance et de la richesse. Lorsque David dit coupe-moi à déborder, ça veut dire il pas qu'apprendre encore. Ça veut dire tout ça qui a bail additionnel. Il a pas même qu'à arrêter là-dedans, il a tombé à genoux. Maintenant, question posée tête-moi, moi j'ai demandé tête-moi, est-ce que David c'est non buffet que lié ou bien est-ce que c'est non restaurant? Là où qu'on est que grande différence between a buffet and a high-end restaurant. Non buffet, fait, c'est ou même qui servit tête ou. Nos restaurants, c'est moun qui servit ou. Watch this. David, pas dit le prend jusqu'à ce que couple a débordé. David, le langage du texte, laissez-nous comprendre que c'est Dieu qui fait déborder la coupe de David. En d'autres termes, God is pouring, realizing full well that the cup is full. Bon Dieu continue à vider. Bon Dieu continue à mettre. Bon Dieu continue à laguer. Alors que bon Dieu, ouais, bagarre l'a débordé. Lui, coupe la pas qu'après encore. Lui, ouais, coupe la garder, regorger. Et la question que je me demande, c'est pour qui raison bon Dieu continue à mettre. Pour qui raison God kept on pouring, knowing that the cup overflows. The first thing I want to share with you. Ou a besoin qu'on ait bien aimé que la coupe déborde pour aider moi-même ensemble avant à comprendre that your container will always be smaller than God's content. Your container will always be smaller than God's content. What are you saying, Pastor? Capacité pour recevoir a toujours pipiti que capacité bon Dieu gain pour le bail. My God, what are you guys saying? I'm saying that God will always have more to give you than you have room to receive. Et question posée tête moi, si God always has more to give me than I have the capacity to receive, why are you satisfied so quickly? Si mon Dieu gagne tout bagage ça pour le bail, et si mon Dieu gagne toute grâce ça pour le bail, et si ça mon Dieu gagne pour le bail là, les plus parce que ça me gagne pour me recevoir, question me demander pour qui raison ou satisfait vite comme ça. Pourquoi qu'on petit goutte
grâce qui tombe satisfait. Couple pas même un cas ou satisfait. Couple pas même moitié ou satisfait. Couple pas même trois cas ou satisfait. Et m'entendez mon Dieu dit aïe 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 ou satisfait trop vite. Because I have much more to give than you have the capacity to receive. I have more anointing. I have more grace. I have more power. I have more blessing. I have more elevation. I have more promotion. Et m'entendez, laissez qu'à parler au petit de matin. Il dit pourquoi satisfait parce que il y a grâce toujours. Pourquoi satisfait parce que il y a bénédiction toujours. Pourquoi satisfait parce que il y a faveur toujours. Pourquoi satisfait parce que il y a délivrance, il y a salut, il y a guérison, il y a puissance, il y a élévation, il y a promotion, il y a victoire au nom de Jésus de Nazareth. Et fin là nos jeunes samaritains, nos 6 pour 6 samaritains avec une insatisfaction non moi. C'est pas que j'ai pas reçu de Dieu, mais je veux plus. C'est parce que Dieu ne m'a pas assez donné, mais je veux plus. C'est parce que le Seigneur ne m'a pas béni, mais je veux plus. Je veux plus de grâce, plus d'onction, plus de bénédiction, plus d'élévation, plus de puissance. Je veux plus. Et demander au monde qui attendait l'évangile ça. En temps où senti que des bagailles bon Dieu t'a fait avec. Des bagailles bon Dieu t'a bâti toujours. Des bénédictions le ciel t'a accordé. En temps mon Dieu, qui plus que son joigne. Mando pour la beaucoup de réel chat là. Qui a mon prière. Dis Seigneur. Je veux plus de toi, je veux plus de ta présence, je veux plus de ta puissance, je veux plus de révélation, je veux plus de rencontre, je veux plus d'une maison, je veux plus d'une voiture, je veux plus de travail, c'est toi-même que je veux, c'est ton esprit même que je désire, c'est ta présence même qui m'interpelle, je veux plus. Je veux plus. Veux un texte qu'on y a dans l'hymne. Fais chaque lâche pour moi. Dis Seigneur, je veux plus. Pas qu'à gagner toute bagaille ça en nous. Pas qu'à gagner toute grâce ça dans mon Dieu. Pas qu'à gagner toute faveur ça qu'à bailler. Pas qu'à gagner toute onction ça qui dispose. L'aime-li, la vie de Jacob. Je veux plus. L'aime-li, la vie de Moïse. Je veux plus. L'aime-li, la vie de Job. Je veux plus. L'aime-li, la vie d'Abraham. Je veux plus. Bible a dit mon aide. Bible a raconté une histoire en vrai. Yon aide qui te voulait plus. Son nom était Moïse. Moïse a vu la main de Dieu. Moïse a vu la puissance de Dieu. Moïse a reçu de Dieu les tables de l'alliance, les tables de la loi. Ce fut à Moïse que l'Éternel dit, étends ton bâton et fends la mer. C'est par la main de Moïse que l'Éternel a délivré les Hébreux de la terre de l'Égypte. C'était par la main de Moïse que l'Éternel te fait de l'eau. Wash-la. Pas de l'eau, c'était Moïse, l'aile qui m'a mis dans l'air, si elle a mal et si tu as pété, et puis tout même Moïse, la Bible a dit, concernant Moïse, le bon Dieu a parlé, lui parlé avec nous dans le rêve, lui parlé avec nous dans la vision, mais ce n'est pas comme ça le fait avec son serviteur Moïse. L'Éternel dit avec mon serviteur Moïse, nous parler bouche à bouche, nous est face à face. Et puis tout après tout le bagage, ça, Moïse dit, God, it's still not enough. I want more. Et puis tout l'Éternel dit, what more do you want? Et moi il dit, je veux voir ta gloire. I want more. Je viens la matin pour me dire, I want more. Des gens qui ne connaissent pas, pour qui raison prier comme ça? C'est parce que je veux plus. Des gens qui ne connaissent pas, pour qui raison jeûner comme ça? C'est parce que je veux plus. Au monde qui voulait, dit Seigneur, vide. Dis Seigneur bye, dis Seigneur lague, dis Seigneur ben moi. I want more, more of your glory, more of your power, more of your anointing,
more of revelation, more of prophecy, more of spiritual experiences. God, I want more. Je veux plus. God keeps on pouring to teach us that our container is smaller than God's content. I say, God, why do you keep on pouring? The cup is full. Why do you keep on pouring? Et bon Dieu dit, I keep on pouring, not only to show you that your container is smaller than my content, but I keep on pouring to allow you to experience my abundance. I keep on pouring to allow you to experience my abundance. Yon bagay ke nou oubliye, frères et sœurs. In God, we not only have enough, but we have more than enough. Stay with me now. Le Seigneur nous a créés pour vivre dans l'abondance. Vous avez besoin de comprendre ça seulement par une leçon tirée de la nature. L'homme n'a pas pied mango cap bay. Mango pied manglan bay, s'il a donné tout bon vrai. Ou même à femme ou pour compte nous pas manger là. Imaginez ou gon pied mango francis cap bay mango tout bon vrai. Même si tu as mangé mango matin. Ou manger mango mango midi. Ou manger mango à souhait. Même si c'est mango tout seul ou t'as mangé, ou tap ou pas tap jam ka fin manger tout mango qui sous pied mangan pendant toute saison. C'est ça que fait. En dedans, enveloppe là-bas payant, ou pas jeune au seul grain, ou jeune en pile là-bas payant. En dedans, pieds orange, ou pas joindre un seul orange, ou joindre un pile d'orange. Et ça que doit le bon Dieu, il n'a pas seulement créé les fruits, mais il crée selon leur espèce. Ça veut dire. Ça veut dire pas seulement qu'il y a un seul type de mango, il y a plusieurs types de mango, plusieurs espèces de mango. Pas seulement gagner, my God, il y a un seul type de orange, il y a plusieurs types de orange. On va parler de mango pour monde qui connaît mango ou connaît ça crée les mango fil, gagne ça les mango blanc, gagne ça les mango Jean-Baptiste, gagne ça les mango Bosso, gagne ça les mango Francis, gagne ça les mango aïe aïe aïe. Le Seigneur nous a créé pour vivre dans l'abondance. I'm going somewhere. God kept on pouring pour permettre nous to allow us to experience his abundance. Mais senti pour me dire ranger bouchou, j'en pral parler sous moi dans année qui va venir. Why? Parce que l'Éternel pral fait tellement riche. M'pap konn côté mettre l'argent. Et gen moun ki pensait servite à bon Dieu doit être pauvre. Servite à bon Dieu doit marcher sale. Servite à bon Dieu doit marcher avec pantalon chiré. Me senti pour me dire l'en croisé l'autre année en et puis tout regardez et puis tout regardez figue m'gien l'huile figue m'gien graisse et puis tout pour son parfait drôle sous moi parfois beaucoup j'en prends. Me senti pour me dire pingoti c'est voler m'voler pingoti c'est point point c'est la bénédiction de l'Éternel.
l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et vous me donnez mon Dieu, parle au monde. Il dit, prépare-toi à recevoir ma grâce. Prépare-toi à recevoir mon abondance. Il y a des gens qui ne doivent pas recevoir, mais ça que vous voulez recevoir, parole ça, que parole ça tombe dans l'amour. Que l'Éternel bat ou des business. Que mon Dieu bat ou entreprise. Que l'Éternel faut jouer un travail ou pas même qualifié pour lui. Que mon Dieu prospère. Que mon Dieu pas seulement bat ou caille pour être, mais que le bon caille pour louer. Que mon Dieu pas seulement bon manger pour manger, mais que le bat ou pour partager avec monde. Songez tout ça. Je connais nous ces mouns qui parlent drôle. Je connais nous ces mouns qui fréquent. C'est pour l'Éternel fait. Ou à songez de tout. Bon Dieu t'a fait. C'est pas voler, voler. C'est pas point, point. Mais c'est bon Dieu qui décide la faire millionnaire. C'est le ciel qui décide de la passer avec moi. Je viens déclarer une onction millionnaire. Ça que vous voulez recevoir, recevoir. Ça que vous voulez prendre, prendre. Ça que vous voulez accepter, accepter. Mais me déclarer mon Dieu qu'a fait. Et me déclarer mon Dieu a fait. Souvenez du Seigneur fait. Seigneur fait pour moi. Seigneur fait pour race là. Seigneur fait pour famille. Je goûterai à l'abondance de Dieu. Je viens pour me goûter à l'abondance de mon Dieu. Avant de mourir, je vais me goûter, puissance mon Dieu. Avant de mourir, je vais me goûter, superflu mon Dieu. Avant de mourir, coupe la gueule pour déborder, coupe la gueule pour regorger, coupe la gueule pour tomber à terre. Déclarer. Abondance mon Dieu dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Abraham était riche. Job était prospère. Jacob avait des bœufs, des brebis et des serviteurs et des servantes en quantité. My God! L'Éternel dit, raison que femme qui te coupe là, débordé, c'est pour me commencer à habituer à envie de superflu et d'abondance. Ou bien pour tellement de souliers, pour pas de pied pour mettre souliers. Ou pas qu'on s'en aurait dit. Là où est sa fête, ou commencer à entrer dans l'abondance, mon Dieu. Regardez, ou a tellement de chemises côté où commencer à devenir un fardeau pour vous. Pour voir un endroit, par douzaine, ou commencer à entrer dans l'abondance, mon Dieu. L'orgade ou qui costume pour mettre pendant 6 mois, pendant 1 an, et chaque grain son grain différent, ou commencer à entrer dans l'abondance, mon Dieu. Il me dit ça, abonné, papa. Pour les bon Dieu faire. Pour qu'on ne sait pas diable seulement qui baille richesse. Pour qu'on ne sait pas beaucoup seulement qui baille richesse. Pour qu'on ait que bon Dieu. Qu'on fait petit lit. Au Père de l'abondance. God says I'm gonna do it. M'fèl. Maintenant, où qu'on est? L'évangile, ça a pour prêcher. Il faut pas peur. Parce que mentalité en pile monde tellement conditionnée à la misère. Il y a tellement croyé que l'observer mon Dieu, faut l'aide, faut saute, faut sentir fort, faut pas bien habillé, faut pas gain goût. Il a perdu grâce là. En pile monde où nous mettez sac. Il a pas comprendre, c'est pas rad nous pas gain. Mais c'est où nous avons cherché. C'est faveur mon Dieu n'a pas tiré sur nous. C'est n'a dit Seigneur ou aime. C'est n'a dit Seigneur prends. Gen bagay
avant je ferme, c'est pour mon Dieu faut vivre au nom de Jésus. Me dit que bagay avant je ferme, c'est pour mon Dieu faut vivre au nom de Jésus. Me pas songe à qui est-ce m'a parlé. Oh, me songe pendant semaine là, me t'a parlé avec ancien Andy. Il m'a expliqué Andy pendant me dit qu'il ni dans l'école secondaire comment ça t'est et me songe me t'ai gain me gon tennis c'est avec me t'ai qu'on à l'école mais tennis là alors à l'école où je basket où je football et, songe me tout son seul grand tennis ça avait mal l'école et tennis ça alors à l'école avec où je basket où je football et me sénèque qui gain pied soué songe me tout que son seul grand tennis mien et grand tennis ça ça avait me t'ai qu'on à l'école et me joue basket me joue football et me bien pied soué. Vous va comprendre ça me dit là. Me dit son seul grand tennis me t'ai gagné. Tennis ça sa velle, me t'ai qu'on à l'école. Il est mal l'école, me joue basket, me joue football et me bien pied soué. Vous va comprendre ça me dit là. Grand tennis plus basket plus football plus pied soué, équation ça bon on bagaille, y aurait les mayas. C'est ça ça veut dire. Mayas. Je me songe des fois, monsieur, regarde la vie, monsieur. Je me songe des fois, Mayas ta compte tellement fort, Yasuko. Mayas ta compte tellement sauvage, bon petit dame, classe la m'terreme, qui te chita devant. Le consort, ou pas chita, ou longe pio, non, mon frère. Le consort prend pio, râle le. Hein, ou chita, ou prend pio, râle le. Ou prend et puis tout chita, le rive, ou pas, 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 et puis tout le monde garde la vie ça, monsieur, journée et jeudi. Gardez-moi la vie ça, journée et jeudi. In fact, I was thinking the other day, je suis tellement gagné, sac non boîte, sac neuf, sac pour que décacheter, ça pour que mettre, ça me mette en foi. Ma pensée pour me commencer à bailler. Pour me commencer à faire cadeau. Parce que en dedans, bon Dieu, gon dimension koto pas opéré dans le manque mon vin opéré dans la surabondance. God gives you more than enough. Ma coupe déborde. God, why do you let my cup overflow? Why do you make my cup overflow? Et me dit bon Dieu dit son, I make your cup overflow. And not only to teach you that your container will always be smaller than my content. And not only to allow you to experience God's abundance, but I make your cup overflow so that you can be a blessing to others. Mm-hmm. We are blessed to be a blessing. Now, vous pouvez remarquer que David pas dit, God, since you make my cup overflow, what I'm going to do, I'm going to get a bigger cup. This is not what he's saying. He let the cup overflow. Problème en pile monde c'est que les bon Dieu plein coupe yo et ouais coupe là a débordé. What they do, they get a bigger cup. So what God is saying to you, God is telling you, if your cup is good enough, large enough, satisfactory enough, and I cause it to overflow, I do that not for you but for others. I bless you so you can bless others. Et c'est là l'Éternel commence à rentrer avec dans l'autre dimension de la vie pratique chrétienne. La religion pure et sans tache pas consister
pour plaire vendou, pour plaire falou, ou même à tête ou à madame ou à petit tout. No, this is not the gospel of the Bible. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins. Jésus déclarait: venez, prends possession, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Pour ranouguer la caillou, your cup is overflowing. Je me sentis pour me dire où? Ou même femme, ou achetez trois souliers. You have enough. It's time not to have a bigger cup, but to let your cup overflow. Le CA pas la même. Le CA qui même, le CA coincé. Comment on fait un serviteur pour dire comme ça? Comment on fait un serviteur pour méchant comme ça? L'argent va sauter dans la poche facile. Moun nan nécessité, c'est pas garder. Qui dernière fois font moun cadeau costume? Qui dernière fois ou garder ou une jeune fille? Ça c'est mesdames, yo m'a demandé messieurs, tant pris. Si une baiser faire bagarre ça pas mesdames, parce qu'en pile dans nous est méchant. Si une jeune fille a un rat, c'est pour nous coucher, c'est pas avec nous m'a parler. Diable, chercher, c'est pas avec m'a parler. M'a parler avec moun qui est autre là, mon Dieu. Parce que nous sommes tellement méchants. Si nous avons fait un oulib, c'est pour nous coucher, pour nous tirer oulib là. God is talking to you and says, if he gives you a car, it's so that you can help somebody else. Let your cup overflow. Si mon Dieu, bon l'argent, pensez qu'on est capable. Fait grocery for someone, let your cup overflow. Si le Seigneur mette nos mains, songez aux familles, aux amis Haïti, let your cup overflow. L'église là, bon, bagal gâté là, oui. Il y a une vision que papa bon Dieu bon pour l'église ça. Par contre, combien de temps m'a fait, combien de temps ça a prêté. M'ta prime, bon Dieu permet que nous achetons caille qui a plusieurs chambres là-dedans pour long monde qui a un problème dormir pour nous mettre le dos, pour nous faire un petit côté pour le rester pour un petit temps. M'ta prime que son monde vient l'église là, il y a un problème manger pour nous faire grossir pour lui for a week. Nous avons arrivé dans une dimension côté de loi responsable au monde de 6 mois à 1 an. Nous avons, my God! Nous avons premier demandé l'église là, combien de jeunes garçons ou bien jeunes femmes ont en dedans, ils ont pasteur. Et puis l'église là dit, nous avons en dedans, jeunes garçons, ça ont pasteur. N'a pas l'école pour le pasteur. Je songe l'aime t'a pas étudier. C'est pas le mal étudier théologie mon pasteur non. Depuis on veut mal étudier, yo t'es un pasteur en dedans oui. Mais l'église a pas de système, ni pas de provision. Puis yo t'es ouais, a fait pas de bon puis yo t'es dit, il y a sponsorisé jeune garçon ça pour aller à l'école. Je songe l'aime braler. On pas chambler ça non. Pasteur Yves Pierre allan canet banque li avèm, li mettem dans machine ni, là le canet banque li avèm, li ban $1,000. Je suis jeté un paquet de tigres dans l'église là. Sac bam 20, sac bam 40. Et puis tu vas vraiment aller avec la bénédiction du ciel. Let your cup overflow. Invest in someone. Do something for the community. Let your cup overflow. Comment on fait pour toucher $3,000 par mois
Et puis ou gain bill pour 3990 dollars. Quand tu as besoin de temps pour avoir un prochain, on dégoûte s'il besoin. Let your cup overflow. Si vous frère qui a un problème, je ne suis pas obligé de voyer. Je sens que j'ai un problème pour l'évangile, ça. Si vous frère qui a un problème, je ne suis pas obligé de voyer dans l'agence païenne. L'église là, tu as supposé qu'il y a une provision pour prendre soin de frère ça. Let your cup overflow. God says, I bless you. So you can bless someone. L'évangile ça, bon, yo te tué m'a prêché l'évangile ça. Me pose tête mes questions, me dit bon, me t'a parlé à madame avant hier. Me dit chérie, à nous penser bien. Nous pas gagne un orphelinat en Haïti, non? Est-ce qu'on connaît yon orphelinat nous qui a dit ça, c'est orphelinat pas nous. En Haïti. En Afrique. Dis-moi, je ne sais pas. Mais en Haïti, dans le pays où je suis, je ne sais pas si c'est. Peut-être que je suis wrong. Mais l'aime quitter Haïti, from now, je ne sais pas nous-mêmes, nous avons orphelinat. L'homme, nous avons des gens qui mourent. Nous-mêmes, nous disons, nous prenons des gens. Nous payons l'école. Et nous prenons soin jusqu'à ce que les gens prennent soin de tête. Nous avons l'hôpital. Mais qui est-ce qui est dans l'hôpital? Ça yo? Let your cup overflow. Let your cup overflow. Let your cup overflow. Bon Dieu, mettez l'église là pour aider. Bon Dieu, bénis-nous pour aider l'autre monde. Bon Dieu, fais-nous pour nous faire l'autre monde. Let your cup overflow. Bon Dieu, gagne autre l'île fait à chaque monde. Peut-être ou pas comprendre nécessité to let your cup overflow. You want a bigger cup. Peut-être c'est parce que coupe ou pas jambe vide. Mais si coupe ou t'es vide, ou t'as compte ça sacré l'expérience de la coupe vide. Le gros toutou n'a pas trouvé de soupe. Il a trouvé sa soucoupe vide. Et le gros toutou fait ouf, ouf. Oh, you think I'm talking about a dog? I'm not talking about a dog. M'a parlé de frémio. Lorsque coupe yo vide, yo fait ouf, ouf. Lorsque yo pas capé caillou, yo fait ouf, ouf. Lorsque vous ne connaissez pas qui ça a mangé pita, vous faites ouf, ouf. Et vous criez, bah mon Dieu. Vous dites, Seigneur, est-ce que je passe cette nuit là sans manger? And God says, if you so passe cette nuit là sans manger, ce n'est pas parce que je ne mets pas de provision dans mon temps peuple, moi. Mais c'est parce que les gens, rather than let the cup overflow, they have bought themselves bigger cups. La coupe de David, c'est une coupe de bénédiction. Oh, in case, thank you, Holy Spirit, au cas où pensez que ça m'a dit, on l'a pas dans la Bible. Oh, ou vous l'étendez ça, bon Dieu dit, dans le cadre de ce moment de prière et de jeûne, do you really want to know what God says? Bon, moto ça, bon Dieu dit,
En allant Ésaïe 58. En allant Ésaïe 58. Ésaïe 58, je lis à partir du verset 1er. N'a prié, n'a humilié, n'a nous, n'a mis de sac. All of that is good. But God wants more from us. Nous allons! Alléluia! Thank you, Holy Spirit. Mais qui ça, bon Dieu dit? Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas de mortifier notre âme et si tu n'y point, si tu n'y as point d'égard. Voici, God is talking. You say that you are fasting and I'm not answering. You praying and I'm not doing anything. God says, here is the problem. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Ou pas jeûner pour me garder des voix. That's not why you're doing it. Et bon Dieu dit, est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac et la cendre. Le sac et la cendre. Mais c'est sac, ça n'en ouelle non pire. Oui, messieurs. Est-ce ce que tu appelleras un jour un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Revois libre les opprimés et qu'on rompt et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. And God says, if you do this, alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui instaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et puis tout, c'est pas ça, non? L'Éternel pral montre que dans jeûne, même sabbat faut bien observer. C'est yon nan condition jeûne. L'Éternel pral montre ça. Mais qui ça le dit? Dans verset 13 là, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. My wife looked at me one day and said,
Chérie, nous tous vous manquer généreux en pile. Madame, moi, son madame, pour d'enri le bail. Son madame qui remet bail, son madame qui donnant. Je me souviens, madame, moi, nous ici, madame, moi, à Pacherad, pour le voir, moun New York, faire moun New York cadeau. Moi-même, moi, beaucoup plus méthodique dans la façon de bail. Miguel a dit, et ma bail tant pour cent à des œuvres de charité, ou bien tant pour cent ma bail pour moun. Mais madame, moi, pas dans bail, c'est bail sans contrôler. And then, ma parle avec elle dernièrement. Par contre, si ces messages s'actent dans la tête, moi, ma pensée, et tu me dis, chérie, ou t'es guérison, hein? L'autre dit, moi, qui est généreux. En fait, il n'y a pas de fin de guérison net, parce que je me trouve le bail trop, il faut qu'on limite dans le bail là. Même dit, chérie, ou t'es guérison? I need to give more. Than I take. I need to let my cup overflow. Mais il y a qui a demandé, mais pasteur, quand l'évangile ça se dit ici? Bon, l'évangile ça, oui, mais quand l'évangile l'a préparé, nous sommes là, l'évangile, il est un bon blabaté. Parce que, bon, l'évangile, il va me dire, non? Bon, Dieu, mettez, cet esprit, mettez ça pour le mettre. But watch this, m'a fini. Premier ancien, si je suis un récipient qui gagne un liquide là-dedans et m'a vidé, pour que tout ça me gagne tombe, il faut que ça qui n'a même pas vide. Et la Bible a parlé d'un dernier coupe. C'est la coupe de la souffrance. La coupe des bénédictions, la coupe de la joie est possible à cause de la coupe de la souffrance. Et quelqu'un qui a dit, mais pasteur, quand on joue une coupe souffrance, ça, dans Matthieu 26, 39 à 42, la Bible a dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. This cup is not the cup of blessing. This is the cup of suffering. La coupe que Jésus lui-même l'était doué boire. La coupe que Jésus lui-même l'était doué prendre pour que coupe pam jodia qu'a débordé. La coupe de la souffrance. La coupe de la croix. La coupe de la colère de Dieu. Jesus drank it. Et parce que Jésus te prend, parce qu'il te boit pour moi, qu'on y a coupable qu'à déborder. Oh, frère, le Seigneur veut te bénir et il te bénira afin que tu sois une bénédiction pour les autres. Priez et dis, Seigneur, que ma coupe déborde. Que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Me refuser pour mon serviteur bon Dieu qui n'a pas d'impact. Me refuser pour mon serviteur bon Dieu qui n'a pas d'influence. Me refuser pour mon serviteur bon Dieu qui n'a pas fait mon bien. Me refuser pour mon serviteur bon Dieu qui est malveillant. Je veux que ma coupe déborde. Je veux que ma coupe soit remplie pour que la vie me capable de bénédiction. Pour que je ne sois pas seulement béni, mais pour mon béni. Je me sens que mon Dieu a prélé quelqu'un là. Capteur, je me sens que mon Dieu a prélé où?
Bon Dieu a prêlé à pratiquer des œuvres de charité. Je sens que bon Dieu a prêlé pour pratiquer des œuvres de bienveillance. Je sens que l'Éternel a demandé pour suspendre méchanceté, pour l'ouvrir main, pour faire du bien. Let your cup overflow. Sister Yasuko va chanter pour nous. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Et nous retournons dans quelques instants avec les mots d'appel et de prière dans le nom de Jésus de Nazareth. Come and sing us and lead us in worship, Sister Yasuko. In Jesus' name. Amen. Nous espérons que nous avons été bénis par le message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment du côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens former monde édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions, nous remercions tout. Bye bye.